Salut les amis, hein, on s'est nouveau arrêté dans un aire de camping-car park, donc c'est un camping de mon village. Et comme vous voyez, le plan du camping, c'est les Charmilles de Capy. Il y a 27 places d'origine, 30 prises de 6 ampères. En été, il y a des douches et des toilettes, mais dans la période où on est actuellement, il n'y en a pas. Par contre, c'est compris pour camping avec remorque, donc des camping-cars avec remorque, et j'avais vu sur l'application que ça, on peut venir avec des camping-cars jusqu'à 9 mètres. Mais vu que le terrain il est un peu gras là, et j'ai eu un autre petit souci, c'est que quand je suis arrivé, regardez la hauteur des arbres, comme je suis à 3,50 m, 3,40 m, 3,50 m, j'ai même pas essayé de tester, hein. Je me suis tout de suite garé là. Hein. Une possibilité normalement là de mettre 3 de sens là, 3 en face, et normalement 6 places là, mais comme je vais rester qu'une nuit, je me suis positionné là parce que je n'ai même pas essayé de passer là-bas derrière. Hein. Les camping-cars normales déjà les touchent un petit peu, donc les grands c'est encore plus délicat quoi. Hein. Bon, je vais vous donner quand même les coordonnées GPS. Donc on est à Capy, Hauts-de-France. Alors, une fois visité un peu plus loin, j'étais encore pas plus loin. Hein. Je peux juste vous dire que là devant, il y a les poubelles. Et jusque là, quand j'ai vu ça, je me suis arrêté tout de suite. Hein. Parce que si c'est pour se rayer tout le camping-car, c'était pas la peine. Hein. Donc, on va voir. J'aurais préféré passer par là, parce que là, le chemin il est un peu plus propre. Hein. Ou alors, j'aurais dû manœuvrer en marche arrière pour rentrer là dans l'emplacement 18 là qu'ils ont là. Parce que les emplacements ils sont grands, hein. C'est vraiment dommage. Hein. Là vous avez un emplacement. Hein. C'est, je trouve que c'est pas mal. Hein. Bon, on va une fois faire le tour, on verra bien ce que ça va donner. Comme vous avez vu, il a plu. Hein. C'est pour ça que je dis, il est un peu gras, puisque c'est un mélange d'herbe, il y a un peu d'étoiles en dessous, mais c'est un peu bizarre. Là c'est pareil, c'est le numéro 1. Mais le numéro 1, c'est tout ça apparemment. Non, les emplacements ils sont pas mal, hein, ils sont grands. Après, il faudrait dételer. Bon, regardez, là c'est pareil. Hein. C'est une seule place. Je pense que là on voit en dessous, ils ont des petits grillages comme ça et tout, mais ça a tendance à rentrer vers l'intérieur. Mais je pense que une période de juin, ou alors début septembre, ça peut le faire. Là derrière, ils ont encore des mobilhomes, hein, parce qu'il y a encore des gens qui vivent à l'année ou qui ont des mobilhomes sur place. Et là, ils ont bloqué à 2,10 m. Donc, pour qu'ils soient un peu tranquilles, hein. Regardez la place. C'est pas mal, hein, franchement. Là, même si vous venez avec un... Je n'ai pas mesuré maintenant la longueur, mais il y a au moins, je pense, 10 mètres. Vous pouvez mettre votre remorque derrière, la voiture à côté. Ceux qui viennent comme moi, là, avec des 9 mètres, je pense qu'il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez avancer là et après vous pouvez reculer à l'intérieur. C'est, regardez, ça c'est un 7,50 m. Vous voyez de la place encore. Il y a un mètre devant, il y a encore un mètre, 1,50 m derrière. Hein. Mais les emplacements, hein, c'est gras. Hein. Faut être motivé après pour sortir. Comme dit, là c'est pour les gens qui louent ou qui ont acheté leur terrain pour l'année. Hein. J'ai regardé le courant, donc c'est toujours pareil, c'est des 6 ampères. Là, on peut vidanger les eaux noires. Là, c'est pour les gens qui veulent faire la vaisselle, je ne sais pas ce qu'il y a. On va essayer de voir s'il y a de l'eau. Ouais, il y a encore de l'eau. Hein. Ouais, vous voyez, 1er juillet, 31 août. Hein. Et sanitaire. Hein. Là, vous pouvez vidanger les eaux grises, faire le plein d'eau. Franchement, ce côté-là, il y a de la place. Hein. Non, je vous dis, la seule chose qui m'a un peu déçu, c'est cette histoire de tailler les arbres. Vidanger la cassette d'eau noire aussi. Hein. Non, mais là, même les grands, ils peuvent venir tranquillement. Hein. La largeur, un petit peu des,
Mais c'est un sens unique, mais la largeur, elle est un peu. Faut rouler doucement, quoi. Non, les emplacements, froid. Je suis étonné. J'avais vu plusieurs des aires de camping-car parc. Là, vous voyez, ça c'est à peu près normal. Mais même ça, c'est un petit. Mais il y en a d'autres. Regardez là le 15. La personne qui se met en marche arrière là. Même là, hein, il rentre là, il a tout ça après. Et si c'est, il n'est pas trop grand, il peut se mettre au fond et il a toute la devanture. Hein. Non, il y a certains emplacements qui sont très grands. Ça, il faut leur laisser. Les haies sont bien taillées. Hein. Je comprends pas pourquoi les arbres là-bas devant. Peut-être pas habitué d'avoir des hauts à 3,50 m. Hein. On voit quand même que. Il y en a certains là, ils risquent d'être embourbés. Hein. Non, c'est l'autre qui est là devant, là, le 18, il est quand même pas mal. Le 18, ou alors le 1, là, où le monsieur il s'est garé là. Si là où vous arrivez, vous reculez, vous rentrez là-dedans, il y a de quoi faire. Hein. C'est celui-là ou alors, comme dit, le 18 là. Mais pour une nuit, je voulais pas m'amuser à trop me prendre la tête. Voilà, ben j'ai fait le tour. C'est encore un petit coin qui est pas mal. En plus, vous entendez, hein, il n'y a pas un bruit. Hein. Bon, la route, elle est un petit peu étroite pour venir, mais ça passe. Hein. Ah, c'est pareil, nous. Hein. Je pense que les jusqu'à 10 mètres, il n'y a pas de problème. Après, vous voyez bien, c'est un camping-car park. Hein. À part ici, où il y a des très grandes places, mais si vous venez en été, je pense que ça va être complet. Mais les très grands là, au-dessus de 10 mètres, 11 mètres, je pense que ça serait un peu difficile. Mais un camping-car normal avec une remorque, comme vous voyez bien, je suis à 14 mètres. Hein. Ceux qui me suivent, ils le savent très bien. Hein. Moi, j'ai un camping-car, il fait 9 mètres, la remorque 5. Donc ceux qui me suivent, ils savent très bien là où je vais, ils peuvent y aller aussi alors. Hein. Ouais, c'est donc une aire à 14,60 et il y a 27 places disponibles. Donc. Pour ceux qui sont dans le coin, j'ai rajouté une nouvelle aire sur ma liste. Voilà. Alors comme je dis toujours, click off les amis, surtout, portez-vous bien.